Attention, attention, s'il vous plaît. On est où là? On est à Paris? C'est où Paris? Paris, Paris, c'est dans quelle ville? Dans quel pays? En France? Oula, 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 là. Attention, attention, attention. Malembe. Au nom du père qui? Papa, qui sera Kelo? Du fils, dit Papa, Djalongan Ringani. Et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Simo Kimbangu Kiangani. Trois fois disposé sur terre, à savoir Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diangenda, et Kimbangu troisième, le patron de la quatrième et dernière génération. Dieu, le Saint-Esprit, Mfumwa Longo, Mfumwa Dibundu. Mes chers amis, je viens en face de vous en ce jour du Konzo. Ngonda Kumpwa, le mois de novembre. Et aujourd'hui, on est le 23. Mais en Kimangumuna, on est le 21 de Ngonda Konzo dans l'année 97, autrement dit 97. Mais par rapport au calendrier grégorien, on est le 23 du mois de novembre en l'an 2018. Nous sommes donc dans le cadre de notre exercice communicationnel du média kimonguiste. Le média qui? Mais avant de donner le déjeuner du média qui en ce jour, vendredi, vous savez que au sein de l'institution de Tata Kimbangu, l'institution spirituelle, s'il vous plaît, qui va pacifier l'humanité, l'institution spirituelle, qui a pour objet restaurer l'humanité dans son état premier. Toi, Kalaki, Pakatous, Tata Kimbangu. Alors, mais aujourd'hui, je viens en face de vous. Je peux m'asseoir, je vais être debout. Mais avant de continuer, je vais vous apporter une information. Vous l'avez sûrement eu de la semaine. Mais là, hier, j'étais avec ma directrice de communication, ma directrice d'information, Mama Titis Dané Nkamba, des TDS. Je l'ai appelée, c'est de sa propre voix. En tant que directrice d'information, j'ai l'exclusivité de me confirmer l'information dont je vais vous faire l'écoute en écoutant le chef, donc je veux dire le directeur du cabinet, le révérend pasteur Landou Ndombassi, de la manière dont il a disposé le message dans le Saint-Temple de Nkamba Nouvelle-Jérusalem le jour de Nsona, comme qui dirait mardi 20 novembre. Allons d'abord en Kamba, s'il vous plaît, pour suivre ce que le directeur de cabinet nous a disposé comme information. Suivons. Décision. Oyo, papa m'a conduit à bouler à toi qui.
Voilà mes chers amis, nous sommes aujourd'hui jetés en exclusivité
en Kamba. Je voulais vous ramener là-bas parce que le cantique que a tout cassé vient de jouer, la fanfare Kimwangis du Kamba Nouvelle-Jérusalem, stipule ceci. Ngolo yikulombanga mfumu 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 mvuluzi mfumu wizado utusundisa kwa menido vuvumvimba mfumu munange ingolo ngolo yikulombanga afumu afumu mfumu mvuluzi mfumu wizado utusundisa kwa menido vuvumvimba mfumu munange etata simonge undoloki ndoloki munakambi deto wao engo. On demande la force ngoli kulumanga auprès de toi Seigneur tata kimbangu kiangani t'es toi le miséricordieux tata simo kimbangu kiangani. Donc mes amis, en ce jour, c'était le mardi dernier, en Kamba, ce que je vous ai dit, on fait voir. Paroisse de Paris Pilote, les 3 P. Paroisse de Paris Pilote, dit Saint-Ouen, a eu de la part de sa divinité une équipe d'action pour sa charge. Ici, à Paris, en Île-de-France, dans le pays qu'on appelle République française. Moi, je n'ai pas de détails à donner à cela. Le directeur de cabinet, le révérend pasteur Landoum Nombassi, était assez clair. Nous, en ce qui nous concerne en tant que communicants, en tant que disciples, dans le cadre de cette structure communicationnelle qu'on appelle le média kimbanguiste, le multimédia, le média tata kimbangu, le messager pour une évangélisation divinement inspiré des actions du kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu. C'est quoi Ouen? C'est quoi Saint-Ouen? Vous savez que le mot Saint-Ouen, Ouen, dans l'ancien français, c'est Ouguerre. Et Ouguerre veut dire onction. Donc onction, c'est l'onction qu'aujourd'hui, que Tata Simo Kimbangu, depuis le 20 novembre dernier, a disposé à Tata, révérend pasteur, et dit Mvula Mukelezi pour pouvoir encadrer ses enfants à la paroisse pilote de l'Europe. Voilà mes chers amis, ce que je tenais à vous communiquer en ce jour-là, en ce jour, Konzo, le mois de Kumpwa, l'année 97. Donc, dans le Kimbangumuna, ça c'est la manière d'appeler le Kimbangumuna. Donc, le Kimbanguisme. Mais dans le christianisme, nous dirons, enfin, ce qui a précédé le Tata Kimbangu dans le Kimbanguisme, ce qui a précédé le Kimbanguisme, ça on dira le vendredi, donc pas pour Pape Grégoire, hein, c'est Pape Grégoire qui parle. Le Pape Grégoire, il dira le vendredi 23 novembre 2018. Mais dans le Kimbangumuna, nous dirons qu'il y a Konzo, Ngonda ya Kumpwa, Mumvu wa 97, 97. Parce que le Kimbanguisme, qui est la suite logique du christianisme, nous célébrons, nous sommes dans la 97e année, 97e année. Donc c'est pour cela, dans le cas du Kimbangumuna, nous disons de ce cela. Voilà. Et moi, votre humble serviteur, Diakongo, comment ça y est, Diabandombe? Nous sommes toujours, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. A très bientôt mes amis, si vous le voulez bien.